l'album, c'est un peu l'arlésienne chez moi parce que ça, je l'annonce depuis, depuis longtemps maintenant et finalement il vient pas, mais je préfère qu'il soit, je préfère prendre mon temps. C'est vraiment un projet que je souhaite mener à bien. Donc, et surtout qu'il y a plein de projets qui se greffent petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il est, il est reculé, mais là je peux dire qu'il sera, prêt pour dans moins d'un an. Donc là j'ai déjà commencé, j'ai quelques idées, mais j'attends aussi de recevoir de nouveaux synthés. Là j'ai fait une commande, je me suis commandé un nouveau synthé au Japon, j'attends de le recevoir. Non, je pense que ça s'est fait, je me suis retrouvé là-bas parce que je bosse dans la com depuis 7 ans, ça faisait 7 ans que je bossais dans la com. Et non, je regrette pas vraiment parce que c'était un moment où où j'arrivais plus à faire les deux. Donc je devais choisir et j'avais vraiment envie de tenter la musique. C'est le début, tu sais, à un moment donné, enfin, tu choisis, tu te dis il faut que je tente cette expérience à fond pour voir ce que ça donne. C'est ma passion. C'est ma passion, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. J'ai commencé par produire. Au début c'était un peu. C'était pas destiné au club, c'était plus électronica. Mais c'est ma passion, ouais, pouvoir être. Faire de ma passion un métier, c'est tout ce dont je pouvais aller. Je pense pas être le meilleur artiste français, je pense que on a une belle scène française en ce moment. Je pense à mes amis de chez Concrète ou de mon label, que ça soit Antigone, que ça soit AWB, PVNV, François X, Charles Frankler, tous ces gars-là qui sont installés depuis quelques temps ou qui viennent seulement d'arriver. Mais on a surtout une belle scène française et c'est ça qu'il faut obtenir. Tu le reconnais, tu le ressens à peu près. Il y a eu, ça fait quelques années qu'on a la scène suédoise par exemple en Europe avec Northern Electronic, le label d'Abdullah Rachim. On a la scène italienne qui est très mentale, très deep, et on a la scène française qui est une sorte de deep techno, un peu plus destinée au club, mais qui marche tout autant. Là je peux pas. Non, j'ai pas trop de trucs à. Ça l'a raconté, je veux pas commencer à les tailler. Mais non, on est potes, donc c'est vrai qu'on se voit en dehors de la musique, donc c'est assez cool, j'ai plein de trucs, mais ça restera entre nous. C'est la grande interrogation. C'est un peu compliqué de se voir dans ce métier-là, c'est un peu compliqué de se projeter en avant. Après, je vais essayer de m'épanouir le plus possible dans ce métier, parce que c'est ce que j'aime. Je me vois pas particulièrement dans 10 ans ou dans l'avenir, je vis le moment présent et après j'avance quoi. C'est déjà, c'est pas exactement ça, mais j'ai monté un label, donc c'est un peu l'arrière de la boutique. Ça reste dans le milieu de la techno et de la musique, mais c'est plutôt l'arrière de la boutique et de pouvoir distribuer et de proposer de nouveaux artistes. Oui, c'est un de mes projets plus tard avec Tapion, mon label. Ça me fait plaisir de voir la scène française comme ça aujourd'hui. C'est vraiment, tu sens qu'il y a un vrai, il y a un vrai renouveau de la scène depuis quelques années. C'est génial. Moi, quand j'ai commencé à sortir, il y avait une soirée par semaine, deux soirées, et t'avais le Rex, et t'avais pas encore toutes les possessions, t'avais pas Concrète qui a énormément contribué à cette scène. Donc non, je suis juste heureux de voir la scène comme ça, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux.